sommes en compagnie d'une partie, en tout cas, de l'organisation du casting. Le casting, cette incroyable aventure qui vise à promouvoir de jeunes talents francophones en Israël. Carole, Emmanuel, vous êtes les investigatrices, on va dire, de cette incroyable aventure. Est-ce que vous pouvez nous raconter déjà comment vous est venue l'idée de cette aventure ? On a eu l'idée en même temps, à la fin de l'été en fait. On travaille toutes les deux depuis de nombreuses années avec des artistes, à assurer la promotion de spectacles, à travailler avec eux, etc. Et on s'est dit qu'en Israël, eh bien, il manquait juste quelque chose au niveau de la communauté française, c'est de rire un petit peu plus. On s'est dit qu'il y avait de nombreux talents aussi parmi les Olim Khadashim, parmi les nouveaux immigrants, qui ne rêvaient que d'une chose, c'est de monter sur scène. Et donc on a avec Caro, eh bien, on s'est dit, et si on montait une audition, un casting de théâtre. Elisabeth, est-ce que tu peux nous dire un petit peu justement qu'est-ce que ces 6 candidats qui ont été sélectionnés, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qu'ils ont de plus par rapport à tous ceux qui sont passés aux auditions en tout cas ? D'abord, les auditions, il y a eu un très bon niveau, donc ça a été très difficile. C'est très difficile à expliquer le choix parce que c'est un mélange de rationnel et de coup de cœur. Bonsoir tout le monde ! Comment ça va ? Évidemment qu'un bébé, ça change la vie. Et ce que ça change surtout, c'est les réactions des gens dans la rue. Tout le monde se mêle de ta vie. La sage-femme qui vient t'apprendre à allaiter, tu sais. Ah, diète bénissa, petit cul blanc, hein, que tu es beau, hein. Mais tu es maigre là, hein. Pourquoi tu es maigre comme ça? Maman, il faut le nourrir là, hein. J'ai pas le temps. Si tu en as ça, nourris-le. Bah dis donc, tu nous en as donné de l'énergie, d'où elle vient toute cette énergie? Ben, je sais pas, j'ai beaucoup dormi, du coup j'ai tout mis, tu vois, j'ai tout mis là. Tu es comédienne depuis toute jeune, puisque je crois que tu as commencé à l'âge de 8 ans dans la troupe de théâtre d'enfants organisée par la mairie. Raconte-nous vite fait ton parcours. J'ai été à Londres, j'avais 17 ans, j'ai fait une école super géniale qui s'appelle l'APA, et après ça je suis retournée en France, j'ai fait mes études donc à la Sorbonne et à l'école Charles Dullin. Et je suis retournée encore en Angleterre pour finir mon master. J'ai fait mon alia parce que je voulais justement faire du théâtre ici. Le casting, c'est David Smadja qui m'en a parlé et je me suis dit que ça aurait été génial parce que voilà, moi c'est ma grande angoisse en fait, c'est le stand-up, d'être seule en scène, d'essayer de faire rire des gens. Je trouve que c'est un des trucs les plus difficiles dans ce métier parce que je suis vraiment enceinte, que c'était un peu un challenge pour moi de le faire. Là je suis à mon 8e mois, donc tout le monde est en production, est en stress de ouf que j'accouche pendant le spectacle ou avant, ou enfin bon bref, voilà. Donc je voulais travailler et j'ai vraiment déjà un enfant petit et du coup je voulais vraiment travailler sur cette idée de maternité où il y a beaucoup de trucs qui circulent sur la grossesse parfaite, la fille parfaite, c'est insupportable, et voilà, la maman parfaite qui n'existe pas en fait, et c'est un sujet qui me tient vraiment à cœur, quoi. D'un coup, qu'est-ce que je vois? Un ver de terre de malade, un truc saignant, un point comme j'aime. Moi j'avais faim, mais j'y vais et je mords dedans, là d'un coup je suis monté à une vitesse, j'ai rien compris à ce qui se passe. Non, parce que pour nous, les saumons, c'est les litres de la mer. Pour nous, le saumon, c'est bien. Depuis que je suis tout petit, moi, je rêve d'être un saumon. Donc là, les voir comme ça, dans un état lamentable, c'est... Non, parce que les saumons, c'est bien. C'est la classe. Oui, effectivement, nous autres, les saumons, sommes un peu le gratin dauphinois de la mer, n'est-ce pas? Ça a été comme miraculeux, moi, quand j'ai vu cette annonce. C'est que je me suis dit, il y a beaucoup de francophones ici, quand même. Il y a très peu de choses qui se font au niveau de l'humour, au niveau de choses comme ça. Et à ce moment-là, je vois qu'arrive effectivement cette annonce pour un casting. J'étais extrêmement tendu pendant... Je me suis vraiment étonné, sans fausse modestie, d'avoir été retenu, parce que j'ai eu l'impression d'être en apnée pendant 5 minutes. En même temps, c'est pas étonnant en apnée, parce que tu nous joues le poisson, donc... C'est pas faux. Alors, j'ai eu la chance d'être coaché par Elisabeth Kedem, et qui, comme tous les autres coachs, sont des gens extrêmement expérimentés, comédie, placement de voix, langage avec le corps. Donc on a eu vraiment de la chance comme ça d'être coaché par des professionnels. Et l'objectif vraiment, et ça on me le disait avant dans mes cours de théâtre à chaque fois, c'est qu'il faut s'amuser. Peut-être manger du poisson avant la première représentation. Ça peut aider. Pour la mémoire, oui. Après, moi étant donné que je suis censé incarner un poisson, ça serait un peu tragique pour moi.
Donc j'arrive en France, je fonce, j'arrive juste, je fais mon spectacle. Évidemment, ça se passe comme d'habitude de manière magistrale et divine, quelque chose d'incroyable. Je pars dans les loges, là il y a tout le monde. Il y a mon père, ma mère, et incroyable, qui je vois dans les loges, Angelina Jolie et Brad Pitt comme ça. On arrive au resto, les gens ils sont comme des dingues, c'est-à-dire que je suis assis, il y a quand même à côté de moi Brad Pitt et Angelina Jolie. Les gens ils sont comme des fous, ils sont là et tout. Et puis je sens qu'il y a un malaise. Et il s'approche de moi à l'oreille, comme ça il vient me voir et il me fait. Il y a de la viande cachère ici. What? Je parle un peu anglais. Ouais, il y a de la viande cachère. Je mets quoi, mais tu manges cachère? Il fait ouais. Je mets quoi, mais t'es fâche? Mais t'es fâche? Alors toi, tu es ce qu'on appelle effectivement le mytho du groupe. Eh oui. Alors, est-ce que c'est un rôle de composition? Je ne sais pas, j'espère pas. J'espère être sincère avec vous sur ce spectacle. En tout cas, tu nous as fait passer beaucoup d'émotions. Merci beaucoup, déjà. Des émotions de, je dirais, à la fois du rire, mais subtiles. Merci. Alors, c'est un vrai compliment, parce que surtout qu'on joue dans quelques jours dans tout Israël. C'est une première pour moi de jouer. Je suis magicien, normalement. Et là, je me retrouve sans pouvoir me cacher derrière mes objets, nu face au public. Et c'est une vraie, c'est un vrai challenge, un vrai défi. Si on veut réussir dans le stand-up, évidemment, il y a un côté de nous qui rêve de, toujours depuis qu'on est petit d'être célèbre, d'être une star. Mais le vrai concept de ce métier, si on veut réussir, c'est vraiment donner au public et donner de l'amour et de l'humour. Et ce n'est pas une formule toute préparée, je vous dis ça parce que c'est sincère. Il faut donner au public. Le public, aujourd'hui, dans ce monde, on a besoin de rigoler, on a besoin de s'amuser. Et nous, on va faire ça pendant 2 heures, vous faire rire pour que vous passiez un moment et que vous sortiez de la salle avec un grand sourire. Vos couscous, vos burgoules, vos taboulés, vos loukoums, et ben moi ça me boule les boules. Écoutez, moi là je suis sur un Paris, Ankara, Ankara, Bastia, Bastia, Berlin, Berlin, New York, New York, Londres. Oh, il n'y a pas marqué pigeon voyageur là. Alors voilà, maintenant nous sommes avec Iska. Bonjour Iska. Bonjour Vanessa. Alors toi tu es carrément surprenante parce que tu nous reviens d'Australie, où tu étais chanteuse de cabaret, tu étais célèbre, tu avais ton public qui te suivait, et tu as tout plaqué comme ça pour venir t'installer en Israël et faire ton alia, je crois, il y a 4 ans. Exactement, Vanessa, je suis venue, comme tu dis, j'ai tout plaqué. Je suis restée, parce que de toute façon, je me sens très bien en Israël. Alors raconte-nous comment ça s'est passé, ces auditions, et jusque-là, les coachings avec Judith, l'ambiance avec le reste du groupe, avec tout le monde. Ah non, c'était très bien. J'ai appris beaucoup de choses, Vanessa. Parce que moi qui étais en Australie chanteuse et qui travaillais toute seule avec mes musiciens, là, au moins, ça m'a permis d'apprendre à travailler en groupe, d'avoir un petit peu de recul par rapport aux autres. Et Judith a été formidable, elle m'a appris beaucoup de choses. Donc, je suis très contente de cette expérience. Pour finir, tu es obligée de nous chanter un petit quelque chose. On veut découvrir ta voix. On a le droit en exclusivité pour BTR TV. Bon, d'accord. Alors, juste une prière avant d'obéir à l'ordre des choses et de nos pères avant de partir. Merci Vanessa. Merci à toi. Vraiment, on a hâte en tout cas de te découvrir dans cette tournée. Moi j'ai un petit garçon, il a 6 ans. Un vrai égal, on s'entend bien, c'est mon fils, ma bataille, mais les papas c'est pas la même chose, on a des délires différents les papas. Par exemple, on va au supermarché, le coup des M&M's, ça c'est extraordinaire. Tu prends un paquet d'M&M's et moi ce que je fais, je le mets dans la poche de mon fils pour pas les payer. Tranquille, quand on arrive à la caisse, ça sonne, le vigile arrive, il engueule mon fils, moi j'engueule le vigile, mon fils il pleure, j'engueule mon gamin il gronde le vigile, et là, paf, pour calmer l'histoire, le vigile il prend les M&M's et il les file gratos à mon fils il est dans la combine, on va sur le parking et on partage les chocolats, vous voyez, ça c'est un papa. Bonjour Jérémy. Bonjour Vanessa. Alors toi Jérémy, tu es un jeune Olé Hadash, puisque je crois que tu es là seulement depuis 3 mois et te voilà déjà propulsé finaliste du casting. Comment tu le vis ? Je le vis plutôt bien, c'est une belle expérience. Oui, je suis là depuis 3 mois, je suis arrivé au mois de novembre. Je suis venu pour ça, j'ai postulé depuis la France. Je suis venu, ouais, j'ai fait l'audition, j'ai été pris et veni vidi vici, comme on dit en gol. Alors parle-nous de toi un peu Jérémy, parce que je crois que tu es chanteur, musicien, non, pas du tout. Producteur. J'ai chanté un petit peu ce matin, il a plu. Donc, voilà. D'accord, c'est pour ça. Je suis désolé, ça a dézingué ton brushing, tu m'en veux pas ? Bon, merci, je suis mal coiffée, d'accord. Non,
chanter, Julie, pas de problème. Non, moi là-bas, je suis musicien. J'ai fait conservatoire. Je suis guitariste de métier, compositeur et producteur. Mais ton rêve, c'était de devenir acteur, enfin, en tout cas comédien. Ouais, vraiment, ouais. Depuis gamin, moi là-bas, je voulais devenir comédien. Tu étais déjà un petit peu le pitre, je crois, de la famille, non? Tu faisais déjà rire tout le monde à l'école. T'as parlé à ma mère, toi. Et exactement. J'ai fait mon enquête. T'as enquêté, ouais, voilà. Déjà Bernard de la Villardière. Sans que ça ne finisse pas pareil. À l'école et en famille, non? Tu n'étais pas un petit peu le petit. Ouais, disons que. T'as la tête en tout cas. J'ai une bonne tête, je sais, j'ai vu. Je ne suis pas un pitre, j'ai une de mes plus grosses influences, moi, c'est. Mes potes m'appelaient Baffy. Parce oui, Gérard, c'est son frère, mais il est bouché, ça n'a rien à voir avec la comédie. Tu vois, j'en rate pas une. Tu vois, c'est comme ça. Dès qu'il y a un truc à dire, ça va vite et ça sort tout seul. Alors, mais parle-nous de l'ambiance, là, dans le groupe de David Smadja. C'est un vrai plaisir de bosser avec David. David, il est. Je me retrouve un peu dans lui. Déjà, le côté beau gosse, faut dire. Bien sûr. Et le fait qu'il est ingérable aussi. Vous ressemblez un petit peu d'ailleurs, non? Ouais, il a quelques kilos de plus que moi, mais sinon, on n'est pas loin. C'est. Il y en a une qui t'a fait marrer depuis. J'essaie de te faire rire depuis tout à l'heure. Il y en a une. Ah non, c'est pas vrai, j'arrête pas de rigoler depuis tout à l'heure. T'exagères. J'arrête pas de rire depuis tout à l'heure. Quel est ton rôle exactement, David, ici? Moi, je vais présenter les soirées. Je vais être au devant de la scène. Et je vais essayer de faire en sorte que les artistes soient accueillis dans les règles de l'art. Et je vais essayer de faire ça bien genre. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue ce soir au Zoa. Oh là là, j'ai tellement hâte, c'est le 14 mars au Zoa, la première, ça va être tellement ouf. On va accueillir tous ces artistes-là, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à tous ceux qui nous regardent et qui ont envie de faire du théâtre, qui ont envie de se lancer et qui n'osent pas et qui ont peur? Est-ce que vous avez envie de leur passer un message? D'abord, c'est l'envie. Justement, s'il y a un mec qui est là et qui te dit « J'aimerais bien monter sur scène, faire une petite chanson, y aller. » Mais le gars, il est prêt. S'il a envie déjà, il a gagné. Il faut y aller. Il suffit de monter sur scène et d'y aller. Après, on peut être mauvais, ça arrive. Mais on a tout le temps pour progresser. Il faut devenir accro à la scène. La scène, ça doit être une nécessité, c'est une question de vie ou de mort. Quand on monte sur scène, on doit avoir quelque chose à dire et on ne peut pas faire autrement. Parce que la scène, c'est un métier de luxe. Vraiment, on a une chance infinie d'avoir une passion et d'essayer de la faire et de la transmettre. Mais c'est énormément de sang, de sueur, de larmes, de frustration. Carole et Emmanuel, j'ai une question maintenant importante pour tous ceux qui nous regardent. C'est d'expliquer comment ça va se passer la suite, parce que c'est le public qui va voter. Ça va être un spectacle à part entière, hyper abouti, hyper travaillé. On ne vient pas voir des débutants. Ce sont des gens qui ont vraiment travaillé, qui ont déjà un parcours avant l'aventure du casting, oui, et qui ont travaillé pendant 6 mois avec des super pros. On va demander au public de s'impliquer, de s'investir en votant pour l'artiste qui l'aura le plus séduit, qui l'aura le plus fait rire, touché. À l'issue de la tournée, donc... Il va prendre l'avion. À l'issue de la tournée, il va prendre l'avion. Et voilà, il va partir à Las Vegas. Voilà, exactement. La révélation comique de l'année sera élue par le public et il aura la chance, ou elle aura la chance, de participer à un grand événement organisé par la communauté française en Israël. C'est le Festival du Rire organisé par Emmanuel Smadja, qui aura lieu cet été. Et donc, Raphaël Elbaz, exactement. Eh bien, on a hâte d'être sur scène tous ensemble et d'apprécier le théâtre, parce que le théâtre, c'est la vie. Et puis le rire qui rapproche les gens, et aujourd'hui on a vraiment vraiment besoin de rigoler. Exactement, je crois qu'on a c'est vraiment le mot qu'on doit retenir aujourd'hui, c'est rire, on en a tous besoin, le matin, le midi, le soir, rions tous en cœur. Merci à tous de nous avoir suivis sur Météor TV. Merci. Bye bye.